Cette cassette a un objectif de perfectionnement. Elle vous permettra de corriger les défauts rencontrés dans chaque nage. Ainsi, vous pourrez prendre plus de plaisir en nageant plus longtemps et plus vite. Quatre grands thèmes vont être abordés. La préparation du nageur et son équipement, l'eau et l'équilibre aquatique, la technique respiratoire et les différentes techniques de nage. Chaque nage vous sera présenté en trois parties. Les défauts les plus courants, les gestes corrects à réaliser et enfin les exercices permettant de les réussir. La paire de lunettes est un accessoire indispensable. Elles doivent être adaptées à la physionomie de votre visage. Par mesure d'hygiène et de confort, n'oubliez pas votre bonnet de bain. Comme les lunettes, il vous protégera du chlore et vous assurera une meilleure glisse. Avant de débuter chaque séance, pensez à vous échauffer. Ceci vous permettra de préparer à l'effort vos muscles, vos articulations et votre système cardio-respiratoire. Commencez par une série de rotations des épaules et des bras, de la nuque et terminez par des sautillements sur place. Vous finirez cet échauffement dans l'eau. Il suffit de nager doucement, sans forcer, de préférence sur une longue distance. N'hésitez pas à lui consacrer un quart de votre temps. N'oubliez pas de nager à droite, ainsi vous éviterez d'éventuelles collisions. Quand vous entrez dans l'eau, vous subissez la poussée d'Archimède, elle vous fait remonter à la surface. Une fois à la surface, vous devez vous équilibrer. L'équilibre se fait par la tête. Vous rentrez la tête, vous regardez le fond et le corps s'allonge au maximum horizontalement. Grâce à la tête rentrée, le corps reste parfaitement allongé. Le corps suit l'orientation donnée par la tête, elle se redresse, l'équilibre s'en trouve modifié. La tête rentrée permettra de garder le corps allongé. La respiration en natation est un élément clé. Elle comprend une inspiration brève par la bouche et une expiration
complète et continue par le nez et la bouche. C'est grâce à cette expiration complète et continue que vous allez pouvoir nager longtemps, donc vous faire plaisir. C'est grâce à ça que vous allez pouvoir enchaîner les longueurs et donc avoir une pratique plus régulière. Il ne faut pas dissocier la respiration et l'équilibre. Ce sont deux éléments étroitement liés, puisque quand vous allez relever la tête pour inspirer, l'équilibre va s'en trouver modifié. Donc équilibre et respiration étroitement liés. On relève la tête uniquement pour inspirer, et ce dans toutes les nages. Une inspiration brève par la bouche. L'expiration est complète et continue. Répétez l'exercice plusieurs fois. Quand celui-ci est maîtrisé, exercez-vous en nage complète. Quand on aborde le problème de la respiration en brasse, il y a deux phases bien distinctes. Une phase d'inspiration brève en regardant devant, j'inspire, et une phase d'expiration longue et continue en regardant le fond, je souffle. Donc en fait, si on lit le mouvement, ça fait j'inspire et là l'expiration a été complète et continue. L'expiration ne doit pas être saccadée. Dès que vous rentrez la tête, soufflez et gardez les bras allongés tout le long de l'expiration. L'inspiration est rapide par la bouche, grande ouverte. Les mains marquent un temps d'arrêt aux cuisses. Il sera donc plus difficile de sortir de l'eau pour inspirer. Le bon mouvement des bras en bras, c'est celui-ci. Et non pas ce mouvement aux cuisses. On doit effectuer un rond avec les mains. J'effectue un rond avec les mains et je viens toucher la poitrine. Donc, je démarre le rond, je touche la poitrine avec les mains. Ce qui permet d'avoir le coude bien plié et la main déjà orientée. Donc on reprend le mouvement, je touche le coude bien plié qui passe sur une ligne coude-épaule, d'accord, et non pas derrière. Non. Je touche les coudes bien pliés, la main orientée, j'inspire et tout de suite après j'allonge en rentrant la tête et je glisse. Donc si on prend le mouvement dans son ensemble, je démarre les mains devant, le petit rond, je touche et tout de suite, je glisse en rentrant la tête. Donc cette phase avec les bras nous permet de bien relever la tête pour pouvoir avoir une bonne inspiration. Donc c'est j'inspire, je touche et je glisse en soufflant. Voilà, c'est parti. We'll be right back.
Lorsque vous maîtrisez l'exercice, continuez, mais cette fois-ci en ne touchant plus la poitrine avec les mains. Les bras sont au-dessus de la tête, tendus, en recherche de glisse. Recherchez la continuité du mouvement. On ramènera les bras le plus vite possible devant pour ne pas se freiner. La dissymétrie des jambes va entraîner un mouvement inefficace. Elle va déséquilibrer votre nage. Les jambes sont très importantes en brasse. C'est grâce aux jambes qu'on pourra avancer efficacement. Donc le mouvement des jambes doit être symétrique. Donc, les jambes se plient en même temps, poussent en même temps et on ramène les jambes en même temps. C'est avec la partie intérieure du mollet et du pied qu'on pourra pousser. On va avoir une propulsion avec cette partie-là. Donc, je pousse et je ramène. C'est parti! Les pieds tournés vers l'extérieur permettent un mouvement efficace de l'intérieur des jambes. Touchez les mains avec vos talons et orientez vos pieds vers l'extérieur. Le contact de la cheville sur les mains est garant d'un bon positionnement des jambes. Vous pouvez effectuer l'exercice sur le ventre, pousser l'eau vers le fond de façon énergique, avec l'intérieur de la jambe. La tête et le tronc sont ici alignés et en immersion. Cette position favorise la glisse. La respiration en crawl est bilatérale, c'est-à-dire qu'on tournera la tête à droite, mais aussi à gauche. Il y a deux phases dans la respiration. Une phase d'inspiration et une phase d'expiration. On placera la phase d'inspiration en tournant la tête sur le côté dans le creux de l'épaule. On inspirera par la bouche, une inspiration brève. On replacera la tête dans l'axe du corps et ensuite une expiration complète et continue. Si on prend le mouvement dans son ensemble, je souffle. On inspirera par la bouche dans le creux de l'épaule. Je replace la tête dans l'axe du corps et j'expire une fois à gauche, une fois à droite.
Cette respiration bilatérale équilibre votre nage. L'expiration est forte et explosive. L'expiration doit être terminée lorsque la bouche sort de l'eau. Lors de l'inspiration, tournez la tête sans la relever. De mauvais appuis entraînent des mouvements inefficaces. Votre vitesse est réduite. Les bras en crawl servent à se propulser. Les jambes sont plutôt rééquilibratrices. Le début du mouvement du bras s'effectue devant, la main légèrement orientée sur le côté. On va rechercher avec la main et l'avant-bras à avoir une pression sur la main et l'avant-bras. Une pression, le coude haut. C'est la phase de traction. Deuxième phase, la phase de pousser, toujours avec la main et l'avant-bras vers la cuisse. C'est un schéma, on trace un S. Sur le côté, je ramène. Le retour du bras est aérien. Le retour du bras, coude fléchi, la main relâchée. Je rentre dans l'eau par le pouce et j'allonge. Et je recommence le mouvement. Le S. Je pousse à la cuisse, je rentre la tête, retour relâché, le coude plié, je rentre par le pouce. Posez la main loin devant, toujours dans l'axe du corps, avant d'attaquer un autre mouvement. Il faut rechercher le maximum de pression sous la main et l'avant-bras. Sentir la résistance de l'eau le plus longtemps possible. Parcourez une distance en effectuant le moins de mouvements possible. Vous devez impérativement sentir la pression de l'eau sur la main et l'avant-bras. Touchez votre cuisse avant de sortir le bras de l'eau pour prolonger au maximum le mouvement. «
Raclez l'eau avec la main pendant toute la phase de retour. Cet exercice vous permettra de garder le coude haut. Le rétropédalage entraîne un mauvais rééquilibrage du corps. Les jambes en crawl ont pour rôle de rééquilibrer la nage, c'est-à-dire qu'elles vont stabiliser le corps. Le mouvement démarre de la hanche, c'est la hanche qui déclenchera le mouvement. Pointe de pied tendue, la cheville souple, le genou légèrement fléchi, et on pratique un mouvement ample. Les jambes sont légèrement écartées, les pointes de pied tendues et les chevilles souples. Donc ce mouvement ample, cheville souple, pointe de pied tendue. L'amplitude du mouvement est importante pour sentir la pression de l'eau sur toute la jambe. Effectuez les battements debout dans l'eau sans l'aide des mains en gardant la tête hors de l'eau. Le mouvement démarre de la hanche. Vous pouvez également effectuer l'exercice en position ventrale. Quand on aborde la respiration en dos, on s'aperçoit qu'il y a deux phases. Une phase d'inspiration et une deuxième phase d'expiration. Ce n'est pas parce qu'on a la bouche à l'extérieur qu'il ne faut plus souffler ni inspirer. On va inspirer par la bouche pendant tout le trajet aérien du bras, une inspiration brève et une expiration complète et continue par la bouche pendant tout le parcours aquatique jusqu'à la cuisse. Donc si on prend le mouvement dans sa globalité, une inspiration brève et une expiration complète et continue tout le long du mouvement sous l'eau. L'inspiration se place au moment où le bras est lancé hors de l'eau. Inspirez à chaque mouvement. La respiration rythmera votre nage. Inspirez pendant le retour des bras, expirez pendant le trajet aquatique. La tête reste fixe, regard vers le plafond. Le mouvement est inefficace, les bras rééquilibrent le corps au lieu de le propulser. Dans le mouvement du bras en dos, il y a deux phases, une phase de traction, une phase de poussée. On va essayer de sentir une pression sur la main avant-bras, la main avant-bras avec un coude
haut, c'est la phase de traction, et une phase de poussée vers la jambe, vers la cuisse, plus dynamique. Donc je reprends, la traction, paume de la main, avant-bras, la poussée vers la cuisse. À la poussée, il n'y a pas d'arrêt. Le bras ressort rapidement, revient se placer par le petit doigt dans l'axe du corps, passe derrière la tête, on engage l'épaule qui tourne, c'est le roulis des épaules, la tête reste fixe, le regard au plafond, et je reprends le mouvement, ma traction, ma poussée, le retour rapide par le petit doigt, j'engage l'épaule, la tête reste fixe, c'est les épaules qui tournent. Si on prend le mouvement dans sa globalité, la phase de traction, la phase de poussée dynamique, on ne s'arrête pas à la cuisse, le retour du bras tendu par le petit doigt, derrière la tête, j'engage mon épaule, et ainsi de suite. Le roulis des épaules, la tête reste fixe, je regarde le plafond. Le roulis des épaules, la tête reste fixe. Le coude fléchi permet une propulsion plus efficace. Pressez-le vers l'arrière en orientant l'épaule vers l'intérieur, puis fléchissez le coude en accélérant le mouvement. Une fois le mouvement sous-marin terminé, ramenez immédiatement vos bras dans le prolongement du corps. Le rétropédalage est un mouvement inefficace qui déséquilibre et fatigue. Le rôle principal des jambes en dos est d'équilibrer la nage. Elle permettra de fixer le bassin, ainsi la nage sera bien horizontale, le corps droit. Le mouvement est impulsé par la hanche, donc un mouvement ample, pointe de pied tendue, cheville relâchée, genou légèrement fléchi. Un mouvement ample. Attention de ne pas sortir le genou de l'eau quand vous faites votre battement de jambe. Comme en crawl, le mouvement part de la hanche. Les chevilles souples.
Mettez vos bras le long du corps. Faites des petits battements, chevilles souples. Veillez à ne pas sortir les genoux de l'eau. Quand on aborde la respiration au papillon, on s'aperçoit qu'il y a deux phases. Une phase d'inspiration par la bouche, une phase d'expiration par le nez et la bouche. La phase d'inspiration se fait en fin de poussée des bras, tête en extension, le regard devant. J'inspire par la bouche, une inspiration brève, rapide. Et une expiration tête dans l'eau, complète et continue par le nez et la bouche. Si on prend le mouvement dans son ensemble, j'expire, nez-bouche complètement. En fin de poussée, je relève la tête pour inspirer. Une inspiration par la bouche rapide, suivie d'une expiration complète et continue par le nez et la bouche. Si on prend le mouvement dans sa globalité, je souffle, je relève, j'inspire par la bouche, je rentre la tête. J'expire par le nez, la bouche, complètement. Plus l'inspiration est rapide, plus vite vous reprendrez une position favorable en baissant à nouveau la tête. Rentrez la nuque et expirez de façon énergique. Sortez la tête et inspirez rapidement. Il faut une continuité dans le mouvement pour sortir efficacement les bras. Le mouvement des bras en papillon a deux phases. Une phase de traction, une phase de poussée. La phase de traction s'effectuera avec la main et l'avant-bras. On sentira une pression, le coude haut. La main légèrement orientée sur l'extérieur. Et une phase de poussée où j'accélère et je ramène les mains vers les cuisses. Il y a une forme de S. Traction, poussée, je ramène. Le retour des bras est aérien, il se fait en dehors de l'eau. Paume de main dirigée vers l'extérieur, vers le haut. Les bras tendus. Je rentre la tête par la nuque pour amorcer l'ondulation. C'est l'ondulation qui va favoriser un retour de bras correct. Elle emmènera les épaules et les bras. Les bras viendront se replacer après la tête. Les mains se touchent. Le point de départ, les mains se touchent. Traction poussée. Je rentre la tête. J'amorce l'ondulation. Les épaules rentrent. Les bras viennent se placer devant. Le rôle de la tête, très très important. Il va favoriser l'ondulation, c'est-à-dire que les épaules vont descendre, le bassin va remonter et on aura ce mouvement d'oscillation. Je monte, je descends, je monte, je descends, je monte, je descends.
la nuque bien rentrée, les bras se replacent très vite devant. La nuque rentre dans l'eau avant les mains. Maintenez la tête sous l'eau, regardez le fond. C'est l'ondulation qui vous assurera une nage efficace et moins fatigante. C'est la base du papillon. Les jambes s'enfoncent, le mouvement devient très difficile. Elles empêchent une ondulation complète. Les jambes en papillon font partie intégrante du corps. On ne dissocie pas les jambes du reste du corps. On impulse l'ondulation par la nuque, le bassin remonte et les jambes suivent ce mouvement. Les jambes sont légèrement écartées, les pieds légèrement rentrés, et simultanément, je vais monter et descendre et suivre ce mouvement d'ondulation impulsé par la nuque, elles suivent le corps. Donc le bassin remonte, les jambes remontent, le bassin descend, les jambes descendent. Le bassin est placé, tonique, surtout ne pas plier le genou et appuyer sur l'eau qu'avec cette partie. C'est toute la jambe en entier qui vient prendre appui sur l'eau. Les jambes doivent rester souples pour que le mouvement se transmette et s'amplifie du dos jusqu'aux pieds. Comme un dauphin, tout le corps contribue à l'ondulation. N'oubliez pas de vous restaurer après l'entraînement. L'hydratation est importante. Buvez pendant et après la séance. Si vous désirez des conseils supplémentaires, n'hésitez pas. Demandez aux maîtres nageurs, ils se feront un plaisir de vous les donner.
collection Vidéosport d'Axit, c'est plus de 20 nouveautés par an. À découvrir dans vos rayons Décathlon.